Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre univers se porte bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Pour cette vidéo, je ne serai pas seul, je suis avec Momo. Salut. Et Zantar. Salut. La dernière fois, vous avez pu le voir, on l'a fait avec Momo, Zantar et Pedro. Je me suis fait ruiner. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. En tout cas, juste avant qu'elle commence, n'oubliez pas le petit like, le petit abonnement et le petit partage qui fait toujours plaisir. La boutique de ma marque en description et mon code créateur Fortnite. Ou si vous voulez rentrer le code créateur GameX13, à ce qui paraît, vous allez devenir 3 fois plus fort et vous allez faire 5 fois plus de top 1. Donc je compte sur vous. Également aussi mon Instagram. Et je vous jure que mon Instagram, si vous vous abonnez à moi, vous gagnez des abonnés sur Instagram. Vous allez me dire, oh, mais comment ça? Je vous jure, il y a tellement de fake de moi sur Instagram qu'en fait, ils surveillent qui s'abonne à moi. Et quand des gens s'abonnent à moi, il y a au moins 5 ou 6 ou même peut-être même des fois 10 comptes fans ou 10 comptes fake de moi qui s'abonnent à vous. Donc n'hésitez pas aussi, mon Instagram est en description. Go vous abonner, vous allez prendre au moins 7 ou 8 abonnés. Et vous allez voir si j'ai tort. Autre petite chose très importante, on est sur la dernière ligne droite. Il manque pratiquement un peu plus de 3000 abonnés et on atteint enfin les 2 900 000. Alors je compte sur vous la famille, partagez, parce que qui dit 2 900 000 dit dernière ligne droite pour les 3 millions. Donc je compte sur vous. C'est la dernière ligne droite la famille. Alors on compte sur vous la famille, les likes, les partages, les abonnements. Il y a beaucoup de gens qui sont 1 million d'abonnés, beaucoup de gens qui ont 2 millions d'abonnés, mais pas beaucoup de Français qui sont 3 millions d'abonnés. Ouais, ça va encore, le 3 millions d'abonnés c'est encore un cap qui est assez rare, vous voyez. Donc c'est pas tout le monde encore. Donc je compte sur vous la famille, pousser des aides jusqu'à là. Je sais que les frères marocains, tunisiens, ils poussent à fond aussi. Même les turcs, ils poussent à fond, on le sait. Même les portugais, ils poussent à fond. On va dire tous les pays ou pas? C'est mon frère. Tous les pays poussent à fond. Bref, non, plus sérieusement, aujourd'hui, on va faire le jeu de la carte. C'est simple, vous avez normalement déjà connu ce concept sur ma chaîne. C'est simple, il y avait Pedro, Zantar et Momo qui ont participé. Je devais prendre une carte là, ok. Pardon. Je devais positionner la carte là, et s'ils attrapaient, je lâchais la carte, et s'ils attrapaient avec leur tête, bam, eh ben, ils pouvaient utiliser ma carte pour se faire plaisir. Je vous rappelle un petit peu ce qui s'était passé. Zantar avait gagné, donc il s'est fait plaisir en pleine vidéo avec ma carte. Il a pris 500 balles dessus. Pedro a gagné, il s'est fait plaisir avec ma carte. Il a pris 500 euros dessus. Momo a gagné, c'est vous qui avez dit, parce que moi j'avais dit qu'il avait un peu triché parce qu'il avait regardé comme ça, il avait fait ça. Vous avez dit non, tonton, Momo a gagné. J'ai dit ok les abonnés, si vous tous vous avez dit qu'il a gagné, alors on va l'offrir ces 500 balles. Au lieu d'avoir 500 balles, il a préféré que je l'offre l'iPhone X. Donc on l'a offert l'iPhone X. Donc c'est comme s'il avait gagné ses 500 balles. Même peut-être un peu plus lui, hein, 800 balles plutôt. Ouais, iPhone X, hein. 9 euros, d'accord. Donc voilà, en gros lui il s'est fait 800 balles. L'autre là-bas il s'est pris 500 balles. Pedro qui est remonté à Paris, il a pris 500 balles. Donc aujourd'hui, on va le refaire. Vas-y, 1000 chacun. Vas-y. Alors Momo, tu te positionnes. Attendez, je t'ai juste à vous dire un truc pendant que Momo se positionne. Cette fois-ci, il regarde en l'air, pour moi il a triché. Pour moi, s'il a regardé en l'air, il a triché. Toi, commence pas à rigoler. Vous avez pas le droit de regarder la carte. Vous avez pas le droit de regarder la carte. C'est bon, t'es chaud Momo? T'as pas le droit de regarder la carte en face de toi. 1, 2, 3. Mais quoi, mais toi j'ai perdu. Il a pas perdu. J'ai gagné mon pote. What the fuck? J'ai gagné la carte, c'est bon, j'ai gagné. J'ai gagné mon pote. J'ai gagné. Il l'a attrapé avec... Il l'a attrapé avec son sgeg. J'ai gagné. J'en suis sûr, ils ont tout compris là. Bon, la famille, c'est un truc qui a été fait par des Américains. Ou en fait, il y a un Américain. J'ai mal depuis le début, ça tombe. Il y a un Américain. Attendez, la vidéo elle a tué tout le monde. Les abonnés vont dire quoi? Ouais, refais-le, tonton, refais-le. En fait, bon, comme nous les Américains, on entend bien que la carte tombe. Hein. C'est-à-dire que le mec qui tenait le truc avec son soi-disant sgeg, en fait, c'était fake, c'était faux, d'accord? C'était juste surjoué, d'accord? En tout cas, nous, je vous rassure, c'était surjoué aussi à mort. Mais en tout cas, bon, je voulais. Au bout d'un moment, juste... la vidéo, Pourquoi il dira des Zantar? Il commence à poser la question à Zantar. Mec, il est intelligent, il a fait quoi? Il a dit, allez, on va aller vers Zantar, lui, il est là, attends. J'étais là, allô? Vrai casseux ce gosse, putain. Même dans un prank. Non, bah, on a pas dit que tu devais rappeler ton sgeg. Non, plus sérieusement, la famille, je vous propose un truc. Allez, je vous propose réellement, par contre. Orla, non, pas la poubelle. Orla. On t'attend, calme. Venez voir juste, venez voir. Bon, entre abonnés, ce que t'as fait comme bêtise dans le jardin.
Montre-la à quoi tu ressembles. Un bain de boue. Regardez, elle ressemble à quoi. Elle est archi sale. Bon, la famille, non, plus sérieusement, je vous propose à vous de refaire gagner 500 balles à Momo et à Zantar. Par contre, je vous demanderai juste un nombre de likes conséquent. 30 000. 30 000, on les demande tout le temps. Mais t'es fou. 35 000. 35 000. Non, moi je dis 50 000. Non, 50 000. Non, allez, on coupe la porte. 45. 40 000. 40 000, allez, 40 000. Ah, lancer une tour machine pour mon iPhone, je te rappelle, tu m'avais fait 100 000 likes. Ouais, mais c'est un iPhone. Et on les avait fait au bout de 2 mois. Je te rappelle, ouais, donc là, 40 000. 40 000. 40 000. 40 000. Bon, la famille, n'oubliez pas en tout cas bah, un maximum de likes. Et puis Zantar va disparaître de la chaîne un ou deux jours à peu près. Il va aller faire l'anniversaire avec sa mère. Et il va revenir parce que bah, pour certains, vous savez peut-être pas, vous croyez qu'il squatte juste chez moi. Mais en fait, c'est lui qui m'aide pour tout. En fait, il m'aide énormément pour la musique, il écrit et tout. Pour ceux qui veulent savoir, il m'aide même à faire les ambiances de la musique. Orla, Nala, vous arrêtez les poubelles, les filles. Pardon, Nala, excuse-moi. Je suis mis dans la cage, regarde, je suis mis dans la cage toute seule. Oh. Mais Bichou, qu'est-ce que tu fais là, mon Bichou? Bah oui. Bah alors, mon Bichou. La fais pas sauter, la fais pas sauter. Autre petite chose que je voulais dire, ouais, du coup, c'était quoi que je voulais dire? Ouais, il m'a aidé à faire les ambiances et tu m'as aidé à faire quoi aussi encore? Bah, la mélodie, donc les top lines. La mélodie, donc les top lines et tout ça. Donc attention, il est super important dans le projet clip. Moi aussi. Croyez-moi. Non, toi, tu sers à rien. Je peux partir. Non, je disais que ouais, tu servais à quelque chose de fou. Bah, t'es... Non, donc voilà, croyez-moi que c'est pas un mec qui squatte, hein, il se touche pas les cojones. Oh, si, hein. Il se touche un peu les cojones, mais il fait pas que ça, d'accord. Non, plus sérieusement, moi je vous dis la vérité, il est super impliqué sur la chaîne. Et moi, voilà, je préfère avoir quelqu'un qui vide mon frigo, qui est chez moi, qui mange, qui fait ce qu'il veut, qui est là sur le canapé, qui se fait des chichas quand il veut. Bref, quelqu'un qui fait comme chez lui, chez moi, c'est pas un problème, mais qui fait plaisir à mes abonnés et qui m'aide à avancer, ça me pose aucun problème. Le mec, tant qu'il est positif pour moi, pour mes abonnés, pour mon entourage, pour ma chaîne, qui me ramène aucun problème et que bien au contraire, il me fait avancer, ça me dérange absolument pas de l'avoir à la maison, ça me dérange absolument pas de le nourrir, de prendre soin de lui comme lui prend soin de moi. C'est donnant-donnant. Voilà la famille. Bref, prenez soin de vous et de la Mifa. Et on vous dit à très très bientôt, Inch'Allah. Et il va revenir. Et à partir de juste un ou deux jours, il va revenir très très vite. Yes. Ciao tout le monde. Ciao.